Photography has always been a hobby for me growing up. I think I'm very lucky to have grown up in an age where digital photography has been good enough that I don't need film. I think I'm a byproduct of modern technology. I think the amazing thing with having a digital camera is that you can shoot as much as you can, as much as you want, and never waste film. And so I'm very lucky in the sense that I don't think if digital cameras existed, I would have ever gotten into photography, and so it's from having these, La photographie pour moi en tant qu'enfant, ça a toujours été un passe-temps. En fait, et j'ai cette chance d'avoir grandi pendant l'ère numérique, grâce à laquelle, tout simplement, je n'avais pas besoin de pellicule. En quelque sorte, je suis un produit corollaire des nouvelles technologies, parce qu'avec, grâce aux appareils photo numériques, on peut prendre autant de photos que l'on veut, que l'on peut, sans gâcher de pellicule. Et je pense que sans le numérique, d'ailleurs, je ne serais jamais rentré dans la vie professionnelle. Where are you born? I was born in Taiwan. When I was 2 years old, my family immigrated. When I was 2 years old, my family immigrated to Canada, and so I grew up in Canada, and have been moving around for quite some time since then. I was born in 1986. 86. You're very young. I have no point of reference. Aucun point de comparaison. I was studying international politics, and so during that time, I think, as also a byproduct of our generation, in a post 9/11 world, all eyes internationally was focused on the Middle East, and so I decided in my studies to focus on the Middle East. And so when I was in uni, I was in the Middle East, specifically Israel, Palestine, Jordan, Lebanon, Syria, that area as a student. So I was an Arabic student and also a student of politics. And so it just so happened during that time, it was a very busy time for the region, both after the Iraq War, war in Afghanistan, but also within Israel, there had just been the disengagement of Gaza. There had just been the disengagement of Israeli soldiers from Gaza, the war in Lebanon. L'université. À l'époque, j'étudiais les relations internationales, la politique internationale. Je pense qu'encore une fois, je suis le fruit de mon époque, puisque j'étais à la fac dans cette période post-11 septembre, où tous les yeux étaient tournés vers le Moyen-Orient. Et par mes études, j'ai décidé moi aussi de me concentrer sur le Moyen-Orient. Donc en tant qu'étudiant, j'étais en Palestine, Israël, Jordanie, Liban, je me concentrais sur cette zone-là du Moyen-Orient en étudiant la politique, les relations internationales et aussi l'arabe. Et c'était une période très mouvementée pour la région après la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, avec la sortie de Gaza de militaires israéliens, avec la guerre au Liban notamment. So it was actually in the war in Lebanon that I actually started to, I had a camera with me, and so I started taking photographs. And I think for me, what got me into journalism was actually working for newswires. I worked with Reuters and the Associated Press, just doing daily news, feeding the beast, as they called it. And so it was from that I started to turn my studies of politics into something more into something practical, more tangible. I turned my, it was from that I was, I managed to change to turn my political science degree into something a lot more tangible, to responding to things on the ground when I saw them. Because what I found was that there is always this disconnect between what you study in a foreign policy point of view and the realities of things on the ground. And so I really wanted to, I guess, experience like what I was studying and just seeing like what if there was that disconnect. And En fait, c'est donc pendant la guerre du Liban que j'ai commencé à prendre des photos. J'avais un appareil photo sur moi, j'ai décidé de prendre des photographies. En fait, j'avais commencé notamment par les fils d'information. Je travaillais avec Reuters ou AP, où j'envoyais toutes ces informations dans cette machine de presse, disons. Et en fait, je travaillais sur ces informations et c'était pour moi une façon de passer de mon diplôme d'études politiques à quelque chose de plus pratique, de plus tangible, de plus réel. J'avais noté qu'il y avait toujours cette différence entre les études que j'avais pu faire en politique étrangère notamment et les réalités du terrain. Et je voulais savoir si
cette différence, ce fossé entre les deux existait vraiment et ce que je pouvais faire entre les deux. Alors, à quel moment vous avez commencé à travailler pour AP et pour Reuters? So when did you start working for In AP around 2006 in Somalia and Israel-Palestine, I got an internship with the AP, working around the Middle East, specifically Israel-Palestine. Also, at that same time, I was an intern, with, not intern, I was a stringer for Reuters in East Africa, and that's when I worked in Somalia and Uganda and Sudan. Again, during that time, it was a lot of daily news coverage reacting to the news events that were happening. J'ai commencé en 2006 avec AP, donc j'ai travaillé en Somalie, en Israël, Palestine, le Liban, toute cette région-là. En fait, j'ai eu un stage avec AP pour travailler dans la région Israël-Palestine, cette région du Moyen-Orient, et j'ai également travaillé en tant que stringer pour Reuters, donc dans la Corne de l'Afrique, dans Soudan, Ouganda, Somalie, notamment la Somalie. Et à l'époque, je faisais surtout la presse quotidienne où je réagissais aux événements du jour. And during that time, I had to juggle being in school because I was studying at the time. First in Israel-Palestine, second in Lebanon, then in Jordan. So like all these places. So photography was something I did kind of, not on the side, but I had to finish my classes first. Donc je devais jongler aussi avec mes études à l'époque puisque je continuais d'étudier. J'ai étudié en Israël, Palestine, en Liban, en Jordanie, donc j'allais dans tous ces endroits. Et je dirais pas que je faisais de la photographie à côté de ça, mais bon, il fallait quand même que je finisse mes cours et que j'obtienne mon diplôme. Et vous, à l'époque, vous financiez tout ça comment? Avec vos photos, avec l'aide de votre famille, avec une bourse? So how were you funding your work with the money from your pictures, help from your family, scholarships? Well, I think when I was there, I was studying in the Middle East, so I was already there on kind of a scholarship. And so during that time, it's really cheap to operate there. It's really funny because starting out, I was very cheap in everything that I did. I would stay in hostels. I would, you know, like, instead of taking a plane, I would take the really crappy bus and take 15 hours to make a trip that I could have done in like 2-hour bus ride. And so I think I did it with this very youth backpacker kind of mentality. And so from that, you don't really spend that much money. And it's really funny because when you work for newswires, you don't get paid anything at all. So I made enough to pay rent. And it was quite difficult. And even now, it's still quite difficult to make money off of this. But I think during that time, it was nice to be a student because it wasn't real life just yet. En fait, j'étais déjà au Moyen-Orient pour mes études, donc j'étais déjà sur place avec une bourse en quelque sorte. Et c'est une fois que l'on est sur place, c'est très peu cher, les opérations sont très peu chères. Et j'avais aussi cette mentalité de jeune où j'essayais de tout faire pour le moins d'argent possible, en restant dans des auberges de jeunesse, en prenant le bus, le car pendant 15 heures, alors que j'aurais pu prendre l'avion pour un trajet de 2 heures seulement. J'avais cette mentalité de jeune globetrotter en quelque sorte, et donc je n'ai pas dépensé tant d'argent que cela. Bien entendu, lorsque vous travaillez pour un newswire, vous ne gagnez pas d'argent à proprement parler. Donc je gagnais de quoi payer mon loyer et c'est tout. C'était assez difficile de gagner de l'argent, de gagner mon pain à partir de la photographie, et ça l'est encore aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, je continuais mes études, donc je n'avais pas encore l'impression que c'était la vraie vie, la vie réelle en quelque sorte. And I've been pretty lucky with agencies like Reuters and also the AP and also now Getty. I've been pretty lucky because they've been funding a lot of my work, or they've been giving me support when it comes to that. So the first stories that I did were partially funded through grants, through, you know, these agencies who kind of like had faith in me to do that. And so I feel very lucky that there were people, editors, who would be willing to give money to do assignments that I did. Je crois avoir eu beaucoup de chance, notamment grâce aux agences AP, Reuters et maintenant Getty, parce qu'ils ont financé, ils m'ont fourni du financement et du soutien pour mon travail. Et ils ont
partiellement financé par le biais de bourses les projets que j'avais. Et j'ai eu cette chance d'avoir ces rédacteurs, ces agences qui ont cru en moi et qui étaient prêts à mettre de l'argent dans mes projets qu'ils jugeaient intéressants. Comment avez-vous été recruté, si je puis dire, on peut employer ce terme, par Getty? How were you recruited, if I can say that, yeah. By Getty? Right. Well, I think during the time I've been working for the AP and Reuters, this is also a really difficult time in journalism. It was 2008 when the, I guess, financial crisis hit, and it was very difficult to keep on getting work, to have any prospect of a real job. And so when I met with Getty after, it was at this thing for PDF, it's like it was like an award at the time. And so I met with the people at Reportage, and so it was the PDN 30. And then, so I met them immediately after that when I was in New York. And they have been really quite amazing. Like, they saw my portfolio, and they put me on their emerging talent website. And ever since then, this is 2008, I've had a really good relationship. You could say that almost I've grown up with Getty in a lot of ways. When it comes to my photography, they gave me a grant to work on projects. So it was from that they basically took me on, and one thing led to another, and now I'm represented by them. Mm. Bon, à l'époque où je travaillais avec AP et Reuters, c'était une période difficile pour le journalisme et de façon générale une période difficile. C'était en 2008, je crois, qu'a débuté la crise financière. Donc une période très dure pour obtenir un emploi, pour maintenir un emploi. Et je m'étais rendu à une remise de prix au PDN 30. J'étais à New York et donc j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans le reportage, qui ont regardé mon portfolio, qui ont repris certains de mes projets pour les mettre sur leur site internet. Et depuis, c'est depuis cette date en 2008 où j'ai eu de très bonnes relations avec Getty. Et on pourrait dire que j'ai grandi en tant que photographe avec Getty. Ils m'ont déversé une bourse sur certains de mes projets. Et voilà, c'est une chose qui a mené à une autre. De quand date votre première reconnaissance, premier prix, premier... Il y a eu le grant of Getty, en quelle année? When was your first award, your first recognition of your work? I know you got a Getty grant, and what year was? Well, I think there were a few different ones. PDN 30 was one of my first, I guess, large recognitions, and I got that when I was like 21 or so. From my work in the Middle East, Lebanon, Israel, Palestine, I got a student award from the Overseas Press Club. That was like, I guess, my first real award. But it was like a student small award. And so I think one thing led to another, and I don't know, like I've had this, and then the Getty grant, and Ian Perry scholarship, that all got me money, which then financed other projects. Mm. So it's hard to tell, but those are the ones starting out. Difficile à dire, il y en a eu plusieurs. Je pense que le premier, c'était le PDN 30 dont je vous parlais. Et à l'époque, j'avais seulement 21 ans. Ensuite, pour mon travail au Moyen-Orient, au Liban et en Israël-Palestine, j'ai obtenu un prix, donc le prix étudiant de l'Overseas Press Club. Mais bon, c'était un prix étudiant, donc je n'accorde pas trop d'importance. Ensuite, bon, j'ai eu également des bourses Ian Perry et la bourse Getty également qui m'ont permis de financer certains de mes projets. Donc, I think it's, I got a World Press, and last year I got a POI award just from another story I did in Kazakhstan. So it's been, I don't know, the awards thing is a bit strange for me. Like, I find that's really random when they come up. Like this award, the Young Reporter Award, I didn't know that one could apply for it. I just got a call from Jean-François. And so I think what I've tried to focus on as much as possible is just do as much work as I can. And with the idea of getting them published immediately, because I think that's the most important thing. And so awards are a nice recognition of that, and hopefully you get some money out of it. So, which is nice, because you can put that to future work. Oui, bon, j'ai reçu ce prix World Press, également un prix POI pour mon travail au Kazakhstan. Bon, les prix pour moi
les remises de prix ont toujours été quelque chose d'un peu curieux, d'un peu aléatoire en fait. Bon, pour le prix du jeune reporter pour WordPress, je n'étais même pas candidat, j'ai tout simplement reçu un coup de téléphone de Jean-François et ça s'est passé comme ça. Pour moi, ce qui importe, c'est de faire autant de travail que possible et surtout de pouvoir publier mon travail immédiatement, aussi rapidement possible. Bon, bien entendu, les prix sont une sorte de reconnaissance de mon travail, donc c'est toujours bon d'en avoir et ça peut également donner un peu d'argent également que je peux ensuite réutiliser pour d'autres projets, donc c'est en soi intéressant. I think I've been very lucky because Getty Images are really good at publishing things, or at selling imagery and selling features for reportage. So I'm a bit spoiled by Getty because they have a really good team in the UK, in the US, in all of Europe and all over the world. They're really good at pushing stories and like finding a market for things, and also more importantly getting money for it. But so I think I really appreciate the work that they do, and I think given their brand name, given the prestige that they have within the industry, they've been pretty good about getting things published. Now, more recently, I've been working for the New York Times, and so that's kind of my own relationship, and so that is also, it's good because I can pitch them stories, I can come up with ideas, and you know, like I like that. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que Getty Images, de travailler avec Getty Images parce qu'ils savent vendre les images, ils savent trouver le marché, trouver l'argent qui est également important bien entendu. Et je pense que j'ai été un peu gâté par la qualité de Getty Images qui travaille de par le monde entier avec des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, de par le monde entier. Je pense que c'est grâce à la force de leur marque et du prestige dont ils bénéficient au sein de la profession que j'ai pu avoir autant de facilité à publier mon travail. Récemment, j'ai commencé par le biais d'une relation directe que j'avais avec le New York Times, j'ai commencé à travailler pour le New York Times et c'est très intéressant pour moi, je peux proposer des reportages, des idées, et c'est très intéressant pour moi. Et vous vivez où? Vous êtes basé où? Where do you live now? Where are you? I don't live anywhere. It's kind of hard to explain to people, but I don't actually live anywhere. I work a lot in the Middle East, especially after the Arab Spring now, but I've been, for the last like 3-4 years, bouncing around East Africa, the Middle East, Central Asia, all over. The thing for me is that I can't justify paying rent somewhere because I'd probably never be there, and I'd be worried about paying rent in some place that I'm never sleeping in. And so, for the most part, I've gotten away with not having to live anywhere. But also, I owe the New York Times quite a bit because, again, they have bureaus all over the world, in Cairo, in Jerusalem, in Nairobi. And so, when I work for them, they're really good about letting me, you know, crash in their bureau. Nairobi, for example, I've lived for several months in and out, and all my stuff is at the New York Times office there. And the writer there has been really generous in letting me stay with them, or stay at the office. And the other thing, too, is, again, this goes back to, like, how I got into journalism, which was doing the backpacker hostel thing. And so anywhere I go, the nice thing about journalism is that everyone knows each other. So if I end up in a place without a bed to sleep on or a couch, I can just, you know, find a few friends and like sleep on people's couches or train stations or airports. And so that's never really come up, having to live in a place yet. It might, it probably will sooner or later, but so far I've been okay without it. Je ne vis nulle part. C'est assez difficile à expliquer. Bon, je travaille beaucoup au Moyen-Orient et surtout récemment après ce qu'on appelait le printemps arabe. Mais depuis 3-4 ans, je me rends également régulièrement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale, en Afrique de l'Est, pardon, plus spécifiquement. Donc je ne peux pas dire. Enfin, je ne voyais pas de raison de payer de loyer à un endroit où. De toute façon, je ne me serais jamais trouvé, et je me serais beaucoup inquiété, je pense, de payer un loyer alors que je n'y aurais pas passé beaucoup de temps. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien placé, et je dois dire également que j'ai bénéficié de beaucoup d'aide de la part du New York Times, comme vous savez, qui ont des bureaux au Caire, à Jérusalem, à Nairobi, ce qui m'a beaucoup aidé parce que j'avais
J'avais toujours un endroit où dormir, ils me laissaient dormir dans les bureaux. À Nairobi, j'ai travaillé à Nairobi peut-être 3-4 mois. Toutes mes affaires sont dans les bureaux du New York Times là-bas. Et les rédacteurs, les écrivains chez eux ont fait preuve d'une grande générosité à mon égard. Mais je pense que cette situation, cet état de fait pour moi est dû à ma première approche, comment je suis rentré dans la profession, comme je vous l'ai dit, cette mentalité un peu de jeune globe-trotteur qui passe par les auberges de jeunesse. Et ce qui est très pratique dans le journalisme, c'est que tout le monde se connaît, c'est un petit monde. Et si je ne trouvais pas d'endroit où dormir dans des bureaux, il suffisait d'appeler des amis. Et je pouvais dormir sur un sofa, dans le salon, dans un aéroport, dans une station de train, mais dans une gare. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, je ne vis nulle part. J'imagine qu'à l'avenir, il faudra bien que je me pose quelque part, mais pas pour l'instant. Et vous, après Perpignan, vous partez où? And after Perpignan here, where are you going off to? I'm waiting for a few assignments to work out. I might be either going to East Asia somewhere or back to Somalia. Again, this is part of it, is I don't usually know where I'm going until like the very last minute. And I like that, but at the same time, it also makes it very hard to have a life and like plan your life. So I don't know. It could go three different ways and three different continents. I don't know yet. Pour l'instant, je ne sais pas. Je serai peut-être en Asie de l'Est, peut-être en Somalie, mais bon, c'est ma façon de procéder. Je ne sais rien jusqu'à la dernière minute avant de partir.